C'est une question toujours, qu'est-ce qu'on joue, si on joue cette transcription, est-ce qu'on joue plutôt Beethoven ou plutôt la musique de Liszt? La question qui est intéressante, mais c'est plutôt une œuvre de tous les deux pour moi, peut-être quand même plus de Liszt, parce que l'idée de tenir l'univers comme l'orchestre entre les mains, c'est une idée absolument romantique. D'abord, c'était bien sûr l'envie de Liszt de propagander les symphonies de Beethoven qui n'étaient pas du tout connues à l'époque. Elles étaient rarement interprétées par les orchestres. Habituellement, c'était que la troisième, la cinquième, peut-être la pastorale, presque jamais la neuvième. À mon avis, il faut remarquer quand même que c'est une possibilité exceptionnelle d'avoir une liberté absolue pour phraser, pour avoir le temps, c'est ce qu'il n'est pas trop possible pour l'orchestre. Et ça, c'est une idée aussi romantique, parce que c'est quand même c'est l'idée d'une liberté. Je trouve que l'idée un tout petit peu surhumaine de faire les transcriptions extrêmement difficiles, ça contient quand même quelque chose d'exploit, de vertu, de veillance, parce que même le nom virtuosité, ça arrive du mot vertu. Donc ça, c'est quelque chose de beaucoup plus profond qu'on compte aujourd'hui. Ce que je sais, Liszt lui-même aimait beaucoup jouer la pastorale, c'était un de son morceau de concert de préférence. L'exception, c'est la 9e, qu'il n'a jamais joué publiquement, sauf quelques fragments et que pour les amis. Les autres étaient interprétés publiquement. Pour expliquer le choix d'instrument, il faut dire que c'est un erreur exceptionnel de la collection d'Edwin Bunk, qui était construit exactement à l'année quand Liszt a transcrit la pastorale. C'est important parce que le couleur
que dont l'instrument avec les cordes non croisées est bien différent du piano contemporain, bien que la mécanique est plus dure et ça pose certains problèmes plus sérieux qu'avec l'instrument moderne. Mais quand même, la sonorité, c'est une chose beaucoup plus importante parce que ça permet de montrer toutes les lignes de la partition, c'est ce qui est vraiment nécessaire. I'm a collector of pianos, and the meaning of this collection is actually that I have an instrument which can be connected to any of all of the great composers. So the earliest is from the period of Mozart, and the latest is 1847, which is a Streicher, Viennese Streicher piano, which is great for Schumann. The total of the collection is 17 instruments, and they are between 1785 and 1847. The thing is with these pianos, Erard invented the repetition action, and it was exactly in the period that the great virtuosos came: Liszt, Thalberg, Kalkbrenner, Chopin, Mendelssohn. And the action of these pianos is very suitable for super virtuoso playing. It doesn't mean everybody liked it the best. Chopin preferred a playo, for instance, and Clara Schumann. But Liszt was the composer, the super virtuoso, who loved this kind of piano. And it's the type of piano that he played. And of course, Yuri Martynov is the man who can play Liszt, and he can play these pianos. It's incredible. I bought it in Paris in 1996, and it was in quite a bad condition. The case looked all right, but the inside of the piano was completely broken and cracked and everything. So we restored it in that time, and since then, we didn't have to do much about it. These pianos were really very good, well made, and it sounds great since then. And it was used for the recording now, and of course Liszt is really a big stress for the piano, but it survived everything, so I'm very happy.